Kent, l'éléphant. Hey Momo, c'est ton anniversaire. Tu ne fais pas une fête? Non, Luc, je n'ai pas vraiment envie de faire la fête. Oh, pourquoi Momo est-il si triste? J'ai une idée, je vais lui organiser la meilleure des fêtes surprises. La première chose dont nous avons besoin pour une fête d'anniversaire, c'est un gâteau. Je vais faire un gâteau délicieux aux fraises. Ah, et c'est fait! Waouh, je suis sûre que Momo va l'adorer. Mon gâteau rose a l'air délicieux, non? Waouh, un super gâteau! Est-ce que je peux en avoir? Non, Kent, c'est pour l'anniversaire surprise de Momo. Tiens, tu peux mettre des ballons. Regarde, un ballon bleu pour la décoration. Salut les copains, ça a l'air super! Regardez, j'ai apporté des chapeaux de fête orange. Ils sont trop cool, non? Merci les copains! Voilà ton cadeau, Momo. Regarde, c'est une boîte verte. C'était une super journée et on a appris les couleurs aussi. Un gâteau rose, des ballons bleus, des chapeaux de fête orange et une boîte cadeau verte. Ouais! J'espère que tu t'es bien amusé. À la prochaine fois! Salut! Je suis Kent et je suis dans un verger magique. Tu viens avec moi explorer le jardin des fruits? Oui? Alors on y va! Waouh! Des pommes! Si brillantes, roses et rouges! Une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mangeons-en une chaque matin. Une pomme chaque matin éloigne le médecin. Manger va jouer. C'est une orange. Les oranges tombent de l'oranger. Les oranges toutes oranges. Si jutées, si acidulées, elles sont parfaites. En plein de tailles, grosses ou petites. Orange, c'est merveilleux. Ensuite, la banane. Banane, banane, un fruit délicieux. Jaune et goûteux, un adorable fruit. Ça te rend fort, intelligent. Si tu aimes les bananes, chante cette chanson. Waouh, c'est trop bon! Qu'est-ce que tu veux après? Une fraise? Bien sûr! Allons en trouver! Fraise, fraise, où es-tu? Je suis là, je suis là. Comment vas-tu? Milkshake aussi. Les fraises, c'est mes préférées. Ouais! Regardons tous les fruits collectés dans le panier. Pomme, orange, banane, fraise. Trop bon! J'espère que tu as aimé les fruits. Continue à me regarder, moi, Kent l'éléphant. D'ici là, salut! Les roues du bus roulent, 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 roulent. Les roues du bus roulent, roulent, roulent dans toute la ville. Les phares de la voiture clignotent, 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 clignotent. Les phares de la voiture clignotent, clignotent, clignotent dans toute la ville. Les ailes de l'avion volent tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Les ailes de l'avion volent tout là-haut dans le ciel. Les klaxons du train fait tout 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 tout. Les klaxons du train fait tout tout tout.
sur son chemin. Les essuie-glaces font chui chui chui, chui chui chui, chui chui chui. Les essuie-glaces font chui 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 dans toute la ville. L'ambulance fait dans toute la ville. La cloche du vélo fait ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding. La cloche du vélo fait ding 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 dans toute la ville. Pour qu'elle soit propre, saine et blanche. Ma journée commence comme ça, ma journée commence comme ça. Bonne matinée, ensoleillée. J'aime boire du lait, j'aime boire du lait. Ça me rend fort, fort en bonne santé. Ma journée commence comme ça, ma journée commence comme ça. Une belle journée, j'aime cette chanson. J'aime ranger ma chambre, ça me rend heureux, ça me rend joyeux. Ma journée commence comme ça, ma journée commence comme ça. Une belle journée, je suis joyeuse. Bonjour les enfants, passez une merveilleuse journée. Et regardez-moi, Kent l'éléphant. Je suis Kent l'éléphant et je vais te dire ce que je voudrais devenir. Je veux être un docteur qui aide à aller mieux. Je voudrais être un policier qui attrape voleurs et voyous. Je voudrais être un chef qui cuisine de bons plats. Je voudrais être un pompier qui vient à la rescousse. Un docteur, un policier, un chef cuisinier, un pompier. Wow! Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je veux être le meilleur à ce que je peux vraiment faire. Les enfants, dites-moi ce que vous voulez faire plus tard et abonnez-vous à Kent l'éléphant. Salut! Je suis Kent, l'éléphant mignon. Je suis à l'aventure avec mon meilleur ami, Tim. Mais ne sommes-nous pas perdus, Kent? Ne t'inquiète pas, Tim. Je vais trouver une excellente solution. Je pense que nous devons prendre ce chemin. Non, non! Nous devons suivre la flèche, où nous trouverons de l'eau. Yay! Dépêchons-nous, Tim.
J'ai hâte de voir l'aventure qui nous attend. Moi aussi. Entrons dans la grotte. Que fait-on maintenant? Un autre indice. Quel est le premier? C'est un bateau? Oui, un bateau. B-A-T-E-A-E. Quel est le second? Je sais, c'est un train. Un train. Ensuite? Un bus. B-U-S. Nous allons à l'école en bus. De l'eau. Appuyons sur le bouton de l'eau et voyons ce qu'il se passe. C'est une porte secrète. Reste avec nous pour savoir ce qu'il se passe ensuite dans les aventures de Tim et Kent. Maintenant tu es orange. Trois petits fruits sautent sur le lit. Banane tombée se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur qui dit bonjour. Abracadabra, maintenant tu es jaune. Deux petits fruits sautent sur le lit. Poire tombe et se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur et le docteur crie. Abracadabra, maintenant tu es vert. Un petit fruit saute sur le lit. Raisin tombe et se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur qui vient en renfort. Cadabre, maintenant tu es violet. Aucun fruit ne saute plus sur le lit. Personne ne tombe et ne se cogne la tête. Citrouille appelle le docteur et le docteur dit: remettez sur le lit tous les petits fruits. Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Kent, l'éléphant, et aujourd'hui nous allons tout apprendre sur les différentes formes. Peux-tu deviner de quelle forme il s'agit? Ceci est un carré. Maintenant, laisse-moi transformer ce carré avec ma baguette magique. Abracadabra! Ouvre-toi, ouvre-toi ma petite boîte magique. Oh non! Que se passe-t-il? Oh! Youpi! C'est magique! C'est un carré rouge! Ensuite... une étoile! Je vais placer cette étoile dans ma boîte magique! Ah! Ça rentre parfaitement! Je m'appelle Kent. Et je suis là pour t'amuser. Abracadabra! Ouvre-toi! Ouvre-toi, ma petite boîte magique! Ouais! Oh,
d'étoiles. Brille, brille, petite étoile, tu es si verte et si sereine. Une étoile verte! Quelle forme va-t-on apprendre à connaître ensuite? Oh, ceci est un rectangle. Voilà! Je suis Kent, l'éléphant mignon. J'ai ma propre baguette magique et avec ce rectangle, je vais faire un étang magique. Waouh! Abracadabra! Ouvre-toi! Ouvre-toi, ma petite boîte magique! C'est beau! C'est bleu! J'adore cette couleur! Et toi? Viens ensuite. Waouh! Un cercle! Es-tu prêt pour mon super tour de magie? Voilà ma baguette magique. Abracadabra! Je suis Kent, l'éléphant mignon. Ma couleur préférée, c'est le rose. Quelle est la tienne? Allez, ouvre-toi! Ouvre-toi, ma petite boîte magique! Waouh! C'est rose! Peux-tu deviner quelle forme vient ensuite? Est-ce un rectangle? Ou une étoile? Allons voir! Je vais placer la forme dans la boîte. Et c'est un triangle! Abracadabra! Ouvre-toi! Ouvre-toi, ma petite boîte magique! Wow! Yeah! C'est jaune! Allons fêter ça avec du pudding! Au revoir, les amis! À la prochaine fois! Salut, les amis! Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis là pour t'apprendre les couleurs! Je m'appelle Kent, je suis un éléphant intelligent, envoyé ici pour t'amuser! Regarde-moi, je vole dans ma voiture magique! C'est tellement amusant! Bleu! Qu'est-ce qui nous attend? Allons voir! Dans ma voiture! Oh, elle est tellement rouge! Regarde! Wouhou! C'est tellement amusant! Couleur rouge, où es-tu? Je suis là, je suis là, je viens vers toi! Yeah! Rouge! Et maintenant? Je suis un joyeux compagnon et j'ai besoin d'un peu de jaune! Youpi! Je m'appelle Kent, je suis un éléphant intelligent envoyé ici pour t'amuser! Et nous traversons la ligne jaune! Jaune! Je me demande quelle couleur vient ensuite. Pour le petit déjeuner, nous devrions manger du porridge. La couleur de ma voiture est orange. Ouais! Je m'appelle Kent. Je suis un éléphant intelligent envoyé ici pour t'amuser. Hurra! J'ai franchi la ligne orange. La voiture est ouverte. Sa couleur est verte. Allons-y. Bip bip. Wouhou! C'est super. Apprendre les couleurs, c'est vraiment amusant. J'ai franchi la ligne verte. Vert.
ma voiture est d'un joli rose. Tu trouves pas? Je m'amuse comme un fou! On y est presque! Et finalement, j'ai franchi la ligne rose! Wouhou! Au revoir! C'est une journée si belle et ensoleillée! Salut, petit oiseau! Ma mission pour aujourd'hui... Waouh! C'est une carte au trésor! Je suis ici. Je dois traverser le pont et entrer dans la forêt. Après, je dois traverser la mer. Et finalement, j'arriverai sur l'île où au sommet de la montagne, je trouverai le trésor! Cela va être une aventure passionnante! On y va! Tu es prêt? Oh, regarde! Une voiture rouge! Elle va m'aider à traverser le pont! Je suis à la recherche d'un trésor! Veux-tu te joindre à moi? Cela me ferait un grand plaisir! Oh, c'est super! Je peux voyager à travers la forêt dans ce gros camion! Trop bien! C'est tellement amusant! Les roues du camion roule, 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 roule. Les roues du camion roule, 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 dans la forêt. Il est temps de dire au revoir à mon ami camion, car regarde, il y a un bateau ici qui va m'aider à traverser la mer. Super! Hé, je navigue! Je suis à la recherche d'un trésor. Veux-tu te joindre à moi? Cela me ferait un grand plaisir. Oh, un hélicoptère! C'est palpitant! J'adore voler dans un hélicoptère! Je suis si proche du trésor! Je m'appelle Kate, je suis l'éléphant mignon. L'hélicoptère est mon assistant. Yay! Oh, j'y suis arrivée! Le trésor merveilleux, si brillant! Ouvre-toi! Ouvre-toi, trésor! Waouh! Un avion doré! Ouais! Ça en a vraiment valu la peine! Continue à regarder Kent l'éléphant! Au revoir! Je m'appelle Kent et je suis un éléphant mignon! Et là, je vais retrouver mes amis! Waouh! De délicieux fruits! Puis-je en avoir, s'il vous plaît? J'ai tellement faim! Il est temps pour ma collation du soir! Non, Kent! Tu dois d'abord faire ton activité du jour! Oh oh! Je me demande ce que c'est! Tracer les différentes lignes! Qu'est-ce que ça veut dire? Allons découvrir! Je suis excitée! Je m'appelle Kent! Je suis intelligent et je suis un éléphant! Tu es prêt pour ton activité, Kent? Oui, je le suis! Ta première tâche consiste à tracer des lignes verticales. 1, 2, 3, 4. Fini! Des lignes verticales. Les bâtiments que nous voyons autour de nous sont verticaux. Ok, Kent! Tu dois nous montrer si tu sais dessiner les lignes horizontales. Oui, je peux. 1, 2 et 3. Voilà! C'est facile de gauche à droite. Les routes sur lesquelles nous nous rendons à l'école sont horizontales. Ok, Kent. Maintenant, tu dois dessiner des lignes en zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça ressemble à des V à l'envers et collés. Les magnifiques et gigantesques montagnes sont en zigzag. Que devrions-nous lui donner ensuite? Donnons-lui des lignes courbes! Je peux dessiner des courbes. Elles ressemblent à des vagues. Haha! Tu vois l'océan? C'est là que naviguent les navires. Wouh! Maintenant, ça pourrait être délicat, Kent.
Peux-tu dessiner les lignes pointillées? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Regardez les amis, les pointillés ressemblent à un essaim de fourmis, n'est-ce pas? Oui, tu as accompli ta mission. Ok les amis, révisons maintenant. Ce sont des lignes verticales. Là, des lignes horizontales. Celles-ci sont en zigzag. Celles-là sont des lignes courbes. Et ce sont des lignes en pointillés. Enfin, je peux manger ma délicieuse pomme. Abonnez-vous et regardez plus. Kent, l'éléphant.